vous êtes là. Ah bah, je suis contente de vous retrouver, je suis en train de tricoter. Ah, vous allez me dire, bizarre pour une candidature à l'évêque. Non, pas du tout. Je suis en train de trouver mon fil rouge pour oser faire la différence. Ah, vous ne voyez pas le lien. Bah, écoutez, moi c'est de ça dont j'ai envie de vous parler le 6 juin à l'évêque 2020. Pour moi, il est essentiel, quand nous voulons faire la différence, de trouver notre fil rouge pour savoir où nous voulons aller. Parce que si mon fil rouge, j'arrive pas à le dérouler correctement, il va être difficile pour moi de savoir si je vais vous faire un beau bonnet ou un beau pull. Et oui, j'aime beaucoup la métaphore du tricot, comme vous avez pu voir, rouge là. Bon, là je peux aussi vous montrer une belle pelote jaune, parce qu'au final, la pelote de laine, c'est nous, vous voyez, avec toutes ses compétences, avec ses expériences professionnelles, avec ses échecs, ses réussites, bref, tout ça, c'est nous. Sauf qu'à un moment donné, il faut réussir à le trouver debout, on ne le trouve pas toujours. Donc moi, j'ai vraiment envie, lors de l'éveil, de vous trouver comment trouver ce fil rouge. Réussir en fait à trouver l'idée, vous démontrer comment on trouve l'idée, pour dérouler ce beau fil rouge. Ce beau fil rouge est essentiel pour bien communiquer. Bien communiquer, ça sert justement à faire la différence. Ça sert à oser être authentique, à montrer qui nous sommes. Souvent, beaucoup de personnes ont envie de rentrer dans un moule et finalement font quelque chose de plat. Et c'est bien dommage. Parce qu'aujourd'hui, vous remarquerez que la communication, elle est certes orale, mais elle est de plus en plus écrite au travers des réseaux sociaux. Et ce fil rouge, c'est aussi votre ligne éditoriale, notre ligne éditoriale. Et pour faire la différence, nous avons besoin de ce fil rouge, de savoir comment le dérouler, pour réussir à être clair dans notre communication, pour que les personnes qui nous écoutent quand nous allons dans des réseaux physiques, ou les personnes qui nous lisent sur les réseaux virtuels, ou qui nous écoutent dans des vidéos, puissent savoir de quoi nous parlons, quel est le fil rouge, le fil conducteur, ce qui nous anime à l'intérieur de nous, et qui va donner cette cohérence dans notre communication. Et c'est vraiment ce que je vous propose aujourd'hui pour faire la différence. Parce que se différencier, on peut le faire de différentes façons. Alors, par exemple, là, moi, je pourrais dire, bon, j'ai un bout de bonnet jaune, un peu voyant. Il faut que je m'aide bien. Ça peut-être m'aider à faire la différence, mais j'en doute. Moi, je préfère sincèrement, pour faire la différence, venir vous expliquer, en tout cas, faire une conférence à Elevate pour vous parler de cette conférence. Trouver son fil rouge pour oser faire la différence. Ce sera beaucoup mieux que ce bonnet qui tient très très chaud. C'est une très belle laine, mais je pense que c'est insuffisant pour faire la différence. Mais ça peut fonctionner aussi. Alors je vous dis à très vite.